Bonjour à tous, je continue avec la méthode Borel-Mézoni pour apprendre à coder les sons. Et nous allons passer aux consonnes qui se prolongent. Le K de cactus, il est plus difficile à entendre parce qu'on ne peut pas le prolonger. K, c'est, voilà, on dit que, c'est fini. Alors que si on prend le F qui s'écrit avec la lettre F, le F, on peut le prolonger. Donc toute la série de sons qui est là sont des sons qu'on peut prolonger. C'est parti pour le F. De feutre. Ensuite, ici, on a le de serpent. Ça, c'est le ch de chat. Chat, cheval. Ici, c'est le j qui fait le son j de joue. Le j, il rentre dans la joue comme ça. J, joue, j. Le Z, il fait le son Z. Donc on le dessine avec son doigt. Z, c'est le Z de Zorro, Zoé, zèbre. Ici, on a le L qui fait le son L, L. La langue, elle vient toucher le palais. L, L. Et le doigt, il remonte en même temps. L, lune. Ici, on a le m, m, de maman, de maison. Donc, il a trois jambes, le M, tic, tic, tic. Donc, il a les trois doigts ici et il se pose sur la table, comme ça. M, m. Et pour finir, le R qui fait le son R. Alors, c'est sympa parce que si on met le doigt ici et qu'on fait R, ça vibre. Donc, on l'entend et on le sent aussi physiquement. R. Et ben voilà. J, z, l, m, r. On peut dire plein de choses avec tout ça. Bonne journée.